Et salut tout le monde, aujourd'hui une révélation, présentation du liquide George de chez Swok de la gamme Vap Party. Alors un liquide qui est composé de 65% de glycérine végétale, 35% de propylène glycol et personnellement on est en plein dans mes arômes favoris. À l'intérieur vous allez trouver de l'expresso, de la noisette et du caramel. Mais ce liquide, je tiens à préciser avant de commencer à débattre et donner mon avis objectif sur ce liquide, il est magique. Et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Je vais m'expliquer. Alors déjà, à l'odeur. À l'odeur, je vais être clair avec vous. Je ressens du café, mais pas simplement de l'expresso, de la noisette et du caramel. À l'odeur, pour moi, ça va être quelque chose de latté, de crémeux. Je vais plus partir dans l'optique de sentir... un café, un macchiato au caramel, quelque chose de plus crémeux. Voilà, ça c'est mon avis personnel à ce niveau-là. Bon, vous l'aurez compris sur la bottle, vous aurez compris de quel genre j'en parle avec la, ici la petite phrase qui est écrite quoi d'autre. Donc en anglais, what else. Donc vous aurez compris de quel genre on parle. Et maintenant on va partir sur le test objectif au niveau de la vape. Je peux pas me retenir, je suis désolé les amis, c'est une dinguerie. C'est quelque chose de... Il est vraiment très très bon ce liquide. Voilà, il m'a été envoyé par Swok, mais honnêtement, j'hésite pas, pas du tout là, j'hésite pas. Je vais pas vous dire j'hésiterai pas, parce que je vais vous le dire maintenant. Dès qu'il est fini, je vais en acheter. Ça, c'est clair et net. Ça, il fait partie de mes liquides favoris, il est rentré dans mes favoris, dans mon top 5. L'expresso, bien évidemment, vous allez le ressentir. C'est ce qui domine 80% du liquide. Ça, c'est clair et net. La noisette et le caramel. Alors, dans un premier temps, vous allez ressentir cet expresso. C'est la première impression que vous allez avoir. Le caramel et la noisette arrivent juste ensuite à l'expiration. Et ça rapporte un peu ce côté sucré et amer avec la noisette qui est vraiment très agréable. Mais la magie de ce liquide, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à la fin. À la fin, et moi personnellement, c'est la première fois que ça me le fait dans le monde de la vape, sur un e-liquide, cet arôme-là, pour moi, c'est nouveau. Voilà, j'ai jamais senti ça. Je ressens une mousse de café. Vous voyez cette magnifique mousse de café quand vous vous réveillez le matin, que vous mettez un petit coup là, qui vous en reste ici, vous envoyez la langue. Vous avez ce bon goût de café, de... Voilà, c'est ça que je ressens à la fin. Moi qui adore le café, qui bois je ne sais pas combien de café par jour, je kiffe le café. Là, je ressens ce goût de mousse qui est juste, mais fabuleux. Vraiment très, très bien fait. Et c'est la première fois que je ressens ça. C'est vraiment terrible. Ou cette mousse que vous voyez à la fin de votre café, que vous commencez à manger comme un yaourt à la fin. Voilà, et voilà, il n'y a rien à dire. La mousse est succulente. Bon, bien évidemment, je ne me suis pas fait influencer par le café ici, car je ne l'avais pas capté avant de vous en parler. Voilà, et là, c'est trop bien fait, quoi. Vous avez le petit logo de 0% de nicotine qui est en dosette. Voilà, vraiment, la bouteille, un très, très beau travail au niveau de la bouteille. Très, très beau travail, très bien réalisé, très classe. Voilà, sur le code barre aussi, vous avez des petits grains de café. Je ne sais pas si vous allez les voir ici. Voilà, vous voyez, deux petits grains de café sur le code barre. Donc vraiment, vraiment une très, très belle bottle pour un excellent liquide. Vraiment très bon liquide. Si vous aimez le café, là, je peux vous garantir, les amis, que vous pouvez y aller les yeux, mais voilà, les deux yeux fermés, sans forcer, sans réfléchir. Vous prenez ça, vous nicotinez ou pas ça et vous vapez ça. Vous allez vous régaler. Voilà, les amis, petite vidéo sur le liquide de George, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à converser si vous avez des questions, de laisser des commentaires. Je serai ravi de vous répondre le plus tôt possible, dès que je le peux. Il n'y a aucun problème, je vous répondrai. Et je vous dis bonne vape à tous et à la prochaine.